Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette vidéo, nous continuerons dans la même lancée, toujours sur les applications des lois de Newton dans un champ uniforme, dans un champ électrique, bien sûr. Et là, voilà notre schéma que nous avons commenté dans les vidéos précédentes. Là, on a une charge négative qui pénètre ce champ. Ce champ, à son tour, qui est créé par une différence de potentiel dans un écart. Et une charge dans un champ, ça va créer une force électrique qui va occasionner cette déviation que l'on a quantifiée. Dans la vidéo précédente, on a pu déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire l'équation entre Y et X, les composantes cartésiennes, notre repère étant cartésien, défini ainsi. Nous sommes également intéressés sur le point S de sortie parce qu'on a constaté que les plaques n'avaient pas une longueur infinie. Donc, c'est pour dire qu'à un certain niveau, on a repéré ce point S. Cette charge va sortir à un certain point S. Et c'est justement dans ce champ qu'il y a une déviation et la déviation est perpétuelle. C'est-à-dire, au fur et à mesure, la déviation ne fait que augmenter, augmenter. Et à partir d'ici, le champ n'existe plus, donc il n'y aura plus de déviation. Ça va continuer sa route conformément au vecteur vitesse que ça aura acquéri au point S. C'est donc la raison pour laquelle ici, à l'intérieur, c'est une trajectoire parabolique conformément à l'équation de la trajectoire, la charge étant négative. Électron par exemple, et à partir de là, le vecteur vitesse qui était horizontal, puisque la déviation se construit au fur et à mesure, le vecteur vitesse aura le temps de changer, de changer, de changer, jusqu'à ce que en S, ça aura changé pour sa toute dernière fois. Et puisque après S, il n'y a plus de champ, il n'y aura plus de force, il n'y aura plus de déviation, ça va continuer sa trajectoire rectiligne, jusqu'à venir buter là à un écran qu'on aura disposé là, D pour recueillir peut-être l'électron, on verra pourquoi. Mais on a notre écran D là qui a une certaine distance grand D du commencement des plaques, c'est-à-dire telles que représentées là, et les plaques elles-mêmes ayant une longueur petit L. Et ensuite, on définit donc ce qu'on attend par la déflexion, déflexion électrique pour ce cas. Et généralement, vous devrez savoir que lorsque un électron ou un proton ou un ion, bref, une particule chargée, lorsqu'une particule chargée est déviée, on associe donc à ça une déviation et une déviation, une déflexion, une déflexion. Puisque notre particule, notre charge a été déviée par un phénomène électrique, on parlera de déflexion électrique. Si c'était un phénomène magnétique, comme dans les cas qu'on verra dans les prochaines vidéos, on parlera de déflexion magnétique. Dans ce cas, c'est la déflexion électrique qui correspond encore à la hauteur par rapport à l'axe horizontal. Si la hauteur, c'est-à-dire la distance entre l'axe horizontal et le point d'impact sur l'écran, parce qu'il y a un écran disposé là. Donc, notre déflexion électrique est notée Y, ça correspond à une distance. Et là, je considère très vite, j'ai repéré les sommets de mon triangle O', H et I. Et par hypothèse simplificatrice, vraiment, il faudrait que l'on ait cette hypothèse pour qu'on ait une expression un peu belle à manipuler. On considère que la projection du point S sur l'axe horizontal tombe en I, qui est encore la moitié de la longueur. C'est-à-dire, lorsque je fais cette projection-là pour repérer ma déviation, je tombe sur I et de O à I, c'est L sur 2 là. Et ceci, c'est aussi également L sur 2. C'est cette petite hypothèse qui va nous permettre de formuler quelque chose. Pas que s'il n'y ait pas cette hypothèse, on ne pourra pas dire quelque chose, mais c'est le moyen pour nous permettre d'arriver à un résultat très beau à voir. Dans tous les cas, la longueur, elle étant, n'étant pas très grande, on peut se permettre de faire de telles choses. Donc, on va considérer notre triangle I, O', H. On rappelle que tangente alpha, il s'agit de la même déviation, la déviation vue dans les vidéos précédentes. Tangente alpha qui serait à côté opposé sur côté adjacent, qui est O'. Le côté adjacent O'' qui est encore quoi? Regardons, toute cette distance ici, c'est grand D, de ce début jusqu'à cet écran, parce que je rappelle que là, c'est un écran pour récupérer l'électron, l'électron va venir buter un impact. Là, on a un écran là, et là, du début à l'écran, c'est une distance grand D. Par contre, je ne veux pas cette distance grande, je veux cette distance-ci, de I à O'. Or, heureusement, par mon hypothèse simplificatrice, vous voyez que ça nous empêche d'aller encore tirer des choses à toi et à travers. Là, cette distance-ci est déjà L sur 2, par hypothèse, dans tous les cas, ça se rapproche. Donc, ça fait que cette distance-ci, ça c'est grand D, L sur 2, grand D, L sur 2, grand D, L sur 2, donc grand D moins L sur 2. Ça sera tout simplement grand D moins L sur 2. Bien sûr, avec grand D repéré, ainsi, d'autres personnes peuvent se plaire à repérer grand D, la distance entre I et l'écran directement. Mais ça n'a pas vraiment de sens parce que il faudrait qu'on repère une distance à l'extérieur. À l'intérieur, on ne connaît pas exactement où le milieu se trouve. Donc, c'est préférable de définir la longueur grand D entre le début et l'écran. Cette longueur est facilement déterminable. Donc, on aura grand D moins L sur 2. À partir de là, on pourra tirer dans notre déflexion qui nous intéresse, qui est grand D moins L sur 2 tangente alpha. Et je rappelle encore, tangente alpha est la tangente de cette déviation qu'on a calculée dans les vidéos précédentes. Et je tiens même encore à préciser qu'avant d'avoir alpha, on est d'abord passé par tangente alpha. Nous rappelons très vite l'expression de tangente alpha que l'on a obtenue précédemment. Vous pourrez constater cela.
tangente alpha égale à moins, on avait l'autre moins, Q, U, L, sur M, D, V0 carré. Ainsi, on a donc l'expression de notre tangente, tangente alpha qui s'égale à moins Q, U, L, sur M, D, V0 carré qu'on a obtenu précédemment. Et à partir de là, on pourra tirer, en remplaçant juste, on aura moins Q, U, L, sur M, D, V0 carré, qui est lui, c'est déjà tangente alpha. N'oublions pas qu'on a encore multiplié par cette quantité qui est D moins L sur 2. Finalement, on pourra avoir la déflexion. Je vais mettre une expression un peu plus significative cette fois. On aura moins Q D moins L sur 2 fois L sur M D V0 carré fois U. Là, je me rends compte que la déflexion électrique ici que j'ai représentée est proportionnelle à la tension parce que Q, c'est une constante, ou alors moins Q, c'est moins Q qui donne la quantité E, c'est une constante puisque là, on considère que c'est un électron, la charge est négative, avec le moins ça donne positive E. D, c'est une constante, c'est une distance qu'on a fixée, L également, M fixé, D fixé et V0 fixé. Donc finalement, on peut écrire ceci que D est un KU, c'est-à-dire est proportionnel à quoi? À la tension. La déflexion électrique est proportionnelle à la tension. Cela signifie que plus la tension est grande, plus la déflexion sera grande. Ça veut dire que si pour une tension, on a cette déflexion, si on augmente la tension, peut-être ça va venir, au lieu de buter là, ça va peut-être venir buter là. Mais la preuve en est que quand on augmente la tension, ça augmente le champ. E égale à E sur D. Maintenant, si le champ a augmenté, la force a augmenté. Rappelons que là, c'est un combat entre V0 qui veut amener ma masse comme ceci et F qui veut amener la masse vers le haut. La vitesse veut l'amener horizontalement et la force veut l'amener vers le haut. Ça donne donc quoi? Cette trajectoire parabolique. Mais si un temps, la force est augmentée à travers la tension qui augmente le champ, qui augmente la force, si la force est augmentée, ça veut dire que dans ce combat, F sera plus fort. Donc, ça veut dire que la déviation sera plus rapide. Parce que là, on constate qu'il dévie, certainement, mais lentement. Si la force est augmentée, il va dévier plus vite. S'il dévie plus vite, ça veut dire qu'il s'éloigne davantage de l'horizon, de l'horizontale. Et s'il s'éloigne davantage, il va venir buter plus haut. Donc, ça peut s'expliquer ainsi. En conclusion, on se rend compte là que la déflexion électrique que j'ai appelée Y, ce symbole-ci, est proportionnelle à la tension. Quand on augmente la tension, ça fait augmenter Y. Quand on diminue la tension, ça fait diminuer Y. C'était tout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Si vous souhaitez intégrer notre groupe de physique que nous avons créé à cet effet, vous pouvez laisser en commentaire votre numéro de téléphone précédé du code de votre pays, naturellement, pour qu'on vous intègre. Vous pouvez également trouver le lien d'intégration du groupe pour une intégration directe dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans ce cas, toujours les applications des lois de Newton dans un champ uniforme, mais dans cette fois, plus un champ gravitationnel, et laisser comme on l'a vu, mais un champ magnétique. À très bientôt.